Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce soir. Philippe devait commencer à présenter, mais vous avez vu, son image s'est figée pour commencer. On est réunis ensemble pour ce 29 avril 2021 pour la quatrième édition des carnets de bord du Conseil scientifique indépendant. On a la chance de recevoir des invités prestigieux qui vont nous éclairer et dont certains ont mis en place presque un feuilleton dans leur blog sur Agoravox ou sur le blog de Mediapart. Et c'est très intéressant d'avoir leur regard. Donc, merci à tous de votre écoute. Et puis, on va faire monter d'abord les habitués, entre guillemets. Eric, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Avec plaisir, avec plaisir. Mon micro marche, oui. On va espérer ne pas avoir trop de problèmes de technique. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, alors ravi. Aujourd'hui, je vais rester un peu en backup pour lire toutes les questions qui peuvent être posées. Puis j'interviendrai à ce moment-là, après chaque intervention, chaque conférence. Merci Eric. On ne peut pas repréciser qui on était, parce que les gens nous connaissent un peu. Voilà, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur. Et toi, tu es médecin généraliste. Voilà, moi je suis médecin généraliste et comme toi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est pour ça que nous participons au conseil scientifique indépendant de toute pression, quelle qu'elle soit. On oublie de le dire, mais cette notion d'indépendance nous permet d'avoir un discours assez libre. Je fais monter Jean-Dominique Michel. Bonsoir Jean-Dominique, tu vas bien? Bonsoir Louis, bonsoir Eric, très heureux d'être avec vous. Donc je me présente, je suis anthropologue de la santé franco-suisse, basé à Genève et très actif sur le front du Covid parce qu'on y voit plein de motifs étonnants, surprenants, fascinants. Donc merci de m'accueillir ce soir. Merci, je fais monter Laurent Buscelli. Bonsoir Laurent, tu vas bien? Micro, le micro Faut que tu Laurent. remettes ton micro, faut que tu remettes ton micro juste. Toutes mes excuses, c'est mieux que le micro, effectivement. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je m'appelle Laurent Buchelli, je suis directeur de recherche au CNRS, le service public de la recherche, c'est-à-dire mon nez désintéressé. Merci beaucoup. Je vais remonter Philippe, faire revenir, c'est lui qui doit présenter normalement. Je vais lui céder la parole. Bonsoir Philippe, ça va, tu vas bien? Oui, bonsoir, bonsoir. On est un petit peu loin à La Réunion et je pense que la censure était peut-être en cause dans cette coupure Internet, donc je blague. Donc bonjour à tous et ravi d'animer un petit peu cette soirée. Donc tout le monde s'est présenté, donc peut-être Vincent Pavant, c'est ça? Allô? Oui? Oui, bonsoir, Vincent Pavant, donc enseignant-chercheur, mathématicien, bien sûr, exempt de tout conflit d'intérêts et protégé dans le Code de l'éducation par l'article L141-6 pardon, voilà, du Code de l'éducation, et je suis avec Hélène Bagnon, voilà, Bonsoir, qui pharmacien m'accompagne. biologiste sans lien d'intérêt non plus. Voilà. Bonsoir. Très bien. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une soirée qui va durer à peu près 1h30, hein, sans trop dépasser, et avec des topos qui vont durer 10-15 minutes, hein, et qui certainement vont être une nouvelle fois vous passionner, nous passionner, avec un temps d'échange ensuite, et puis des échanges entre nous, et puis des échanges entre vous, les internautes, grâce au chat que vous pouvez alimenter. Et grâce donc à Eric Mena, qu'on avait déjà entendu sur les traitements ambulatoires précoces et l'effet de la vaccination sur la mortalité. Bonsoir Eric, et tu seras chargé de la lourde tâche aujourd'hui de faire remonter ces questions. Alors, nous allons commencer, écoute, avec Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue de la santé, et qui va nous proposer une. Je suis sûr, un topo passionnant après ce que tu as fait le 15 avril sur la corruption systémique et non pas systématique dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des mesures de contrainte, origines et conséquences. Merci beaucoup Philippe. En effet, parce qu'il y a un motif, je disais qu'il y avait un certain nombre de motifs passionnants dans cette histoire, et un d'entre eux, c'est qu'à bout d'une année d'épidémie de Covid, on est tous, ou en tout cas la plupart des gens, sont convaincus d'un certain nombre de choses, notamment le fait que le masque et le confinement sont nécessaires. Il y a quelque chose presque d'un peu intuitif là-dedans. Le virus, il est porté par des êtres humains, donc si on empêche les êtres humains de se rencontrer, eh ben, ça prévient la circulation du virus. Puis le masque, ça fait une barrière, donc il y a des choses qui sont tout à fait crédibles. Seulement voilà, c'est complètement faux, ça n'a aucune utilité. Et non seulement c'est quelque chose qu'on peut constater à nouveau aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était tout à fait connu avant ça.
Et donc, il y a vraiment un ensemble de motifs qui sont tout à fait passionnants et pour lesquels il est important qu'on s'interroge quant à savoir comment ça s'est produit. À la fin de ma dernière présentation, il y a 15 jours, j'avais nommé un certain nombre d'anomalies en termes de santé publique dans la gestion de la crise par rapport à ce qui était contenu dans les plans pandémie, par exemple. Et la première anomalie, c'est précisément ce confinement généralisé de la population en bonne santé. Et je mets au défi qui que ce soit de sortir un plan pandémie qui prévoit ça pour un ensemble de raisons qu'on va développer parce que ça va être le thème principal de ma présentation. Cela dit, l'imposition du port du masque en population générale à des gens en bonne santé, c'est aussi une anomalie complète. Là encore, ça ne figure dans aucune recommandation, bonne pratique ou plan pandémie. On a vu aussi, bien sûr, la dramatique mise en échec du premier rideau de soins des médecins généralistes. C'est vraiment prévu comme étant le premier rideau pour faire face à une épidémie qui s'est accompagnée d'une mise en échec des options de traitement précoce tout à fait sidérante. Et on a tous vu comment des traitements douteux et toxiques et inefficaces et très coûteux étaient en fait promus par les agences de santé, alors que les options bon marché et a priori efficaces qu'on avait sous la main étaient mises en échec. On n'a absolument pas adressé les questions de prévention et de promotion de la santé. Pourtant, il y a moyen de renforcer son immunité. Et puis enfin, ce tout vaccinal où dès le mois de mars 2020, on nous a expliqué que notre seule chance de salut était le vaccin, alors qu'à notre connaissance, aucune épidémie respiratoire virale n'a jamais été jugulée ou terminée parce qu'on a inventé un vaccin. Donc, il y a beaucoup d'anomalies comme ça. Évidemment que les anomalies sont particulièrement intéressantes pour un anthropologue, mais aussi, je crois, pour tout le monde. Alors, j'avais envie de rappeler quelque chose au préalable, parce que c'est vraiment central à notre propos, c'est qu'il y a des conditions impératives pour, le cas échéant, imposer des mesures portant atteinte aux droits fondamentaux. Maître Divisio s'en est beaucoup ouvert. C'est un peu différent d'une législation nationale à l'autre, mais les principes sont toujours les mêmes. Pour restreindre les libertés et les droits fondamentaux, il faut que les mesures soient absolument nécessaires, on ne peut pas faire sans. Il faut que les mesures imposées soient assurément efficaces, c'est-à-dire qu'on soit certain qu'elles vont déployer l'efficacité requise. On ne sait jamais, à tout hasard, peut-être qu'avec un peu de chance, ça n'est évidemment pas valide sur le plan juridique. Et puis, c'est essentiel qu'elles soient proportionnées, limitées dans le temps et appuyées sur une base légale. Et en fait, ces critères-là vont définir cette différence de réponse qu'on a observée en Europe entre la Suède, qui a une longue tradition d'épidémiologie, et où vraiment d'emblée, ils ont pris ce parti, nous n'allons rien imposer à la population qui ne repose pas sur des bases scientifiques solides. Et en l'occurrence, la seule mesure dont on sait qu'elle a réellement une efficacité, c'est le lavage des mains. Mais le masque, le confinement, la fermeture des écoles n'ont jamais été imposés en Suède, alors que dans tous les autres pays occidentaux, on a vu ces mesures être prises, alors même qu'elles ne reposaient pas sur ces conditions tout à fait impératives. Alors, on va faire un tout petit détour du côté du masque, si vous voulez, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments intéressants, et évidemment que ça continue d'évoluer. Et j'avais envie de commencer par partager avec vous un petit bijou issu de la presse suisse, où en fait, il y a eu, comme dans d'autres pays récemment, un regroupement de populations non masquées suite à une votation populaire. Et les gens ont fait la fête suite aux résultats pendant de nombreuses heures en étant agglutinés les uns avec les autres. Et puis, exactement comme on l'a vu avec les carnavals de Marseille ou de Guadeloupe, ou à Berlin ou à Londres, ou à Bruxelles, il n'y a pas eu de contamination parce qu'on sait aujourd'hui que le plein air est une situation où le risque de contamination est très faible. Et là, vous voyez la presse qui décrit cette réalité comme étant un miracle. Donc, il y a eu un miracle. Un miracle, je vous rappelle que sémantiquement, c'est quelque chose d'exceptionnel qui transgresse les lois de la nature et génère un sentiment d'émerveillement ou de crainte dans la population. Et donc, alors qu'on sait qu'il n'y a pas ou très peu de contamination dans ces cas-là, la presse suisse présente ça comme un miracle, ce qui est quand même assez infantile et particulier comme manière de faire. Et puis, vous voyez que l'OFSP, donc l'équivalent de la Haute Autorité de Santé, a décidé de ne pas enquêter en disant qu'au fond, ça serait très compliqué d'analyser cette situation sur la base d'un épisode survenu dans le passé. Donc, finalement, on ne va même pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai envie de dire, mise en valeur de la démarche scientifique, c'est quand même assez gratiné, mais c'est un bon exemple du type de propagande, mais aussi de rétrécissement de l'esprit auquel on est confronté aujourd'hui.
Pour passer très vite sur le masque, ça c'est intéressant, chercheurs du MIT qui ont déterminé que même à l'intérieur, lorsque les personnes respirent à travers un masque, en fait, ça accentue la propagation des gouttelettes dans l'espace confiné. Donc, le risque de contamination est plus élevé lorsqu'on porte un masque dans un espace clos. La seule bonne mesure, semble-t-il, est celle d'une ventilation adéquate. Donc, masque inutile en intérieur, masque inutile en extérieur. Et puis, pour faire bonne mesure, bien sûr, le fait que le port du masque est nocif pour la santé. Donc là, vous voyez une étude qui vient de sortir et qui répertorie l'impact sur la montée du CO2, la chute de l'oxygène, des maux de tête, déficience respiratoire. Donc, en d'autres termes, on nous a imposé une mesure qui n'a aucune utilité ni en intérieur ni en extérieur et qui, en plus, est préjudiciable pour la santé. Donc, si on compare ça aux critères juridiques nécessaires, on voit qu'on n'est pas exactement dans le cœur de cible. Maintenant, le gros de ma présentation ce soir portera sur la question du confinement. Et c'est absolument passionnant. En tout cas, moi, ça m'a passionné de le découvrir. Et je fais un petit retour en arrière avec une présentation d'un article paru dans France Culture. Alors, si vous regardez la date ici, on est le 4 mars 2000. Et voyez qu'on interroge Patrick Zilberman, professeur d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique, qui a pris connaissance du fait qu'on avait confiné la population à Wuhan, c'est la première citation ici, et il dit « En France, aucune quarantaine, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, ne semble être au programme », et il rappelle que la quarantaine n'est absolument pas une solution, ça fait depuis 600 ans qu'on sait que ça n'est pas la bonne manière de procéder face à une épidémie respiratoire virale, que ça n'a pas les effets escomptés sur la propagation du virus. Là, un autre exemple, c'est dans la presse belge, c'est 2 mois plus tard, où le professeur Faure, aussi historien de la santé, dit à nouveau, nous avons eu recours à une mesure médiévale, c'est complètement dépassé. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment, et c'est pour ça que cette mesure n'était prévue dans aucun plan pandémie, que le confinement ne permet pas de ralentir ou de juguler une épidémie, et qu'au contraire, il tend à produire une flambée de cas graves, tout en produisant des dommages collatéraux majeurs. Et je vous ai mis ici une étude sur laquelle le professeur Peter Gotche, avec qui j'avais eu des échanges à ce moment-là, avait attiré mon attention. C'est un cas de figure très connu en épidémiologie infectieuse, où en fait on s'est aperçu, vous voyez, 1988, en Guinée-Bissau, que quand on confinait les gens dans des situations de rougeole, eh bien ça créait une surmortalité par surinfection, avec notamment ce constat que quand on confinait une personne porteuse du virus avec sa famille ou son entourage, les gens qui l'infectaient à son tour avaient un risque de mortalité 4 fois plus élevé que le primo-infecté. Donc là, il y a vraiment eu cette compréhension confirmée sur la base de tout ce qu'on savait avant. Il ne faut surtout pas confiner en cas de maladie infectieuse virale. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on est parti d'un concept ? Et d'ailleurs, Didier Raoult et Christian Perron nous l'ont rappelé très vite. On ne confine pas parce que ça n'a pas d'utilité, ça crée des dégâts pires. Donc, quel a été le chemin pour passer de ce constat très largement partagé au fait que ce soit devenu une recommandation mondiale ? Alors, évidemment que c'est une histoire que je survole rapidement. Tout ce que je vous présente, ce sont des faits, c'est documenté. Il y a des interprétations qu'on peut faire, mais ça, c'est pas tellement mon domaine ou mon propos. Mais il y a un moment fondateur tout à fait intéressant qui remonte à novembre 2006. C'était juste après la grippe aviaire. Et en fait, le gouvernement de George Bush, le président américain de l'époque, avait commandité un certain nombre de recherches à des think tanks en santé. Et ça, c'est une étude fondatrice. Parce que c'est la première qui dit, dans un cas similaire, ça peut être une bonne idée de fermer les écoles et de confiner la population. Ce qui était vraiment une innovation. Alors, il faut savoir que Robert Glass, ça n'est pas un médecin, c'est un modélisateur. Laura Glass, que vous voyez à côté, c'est sa fille qui avait 14 ans à l'époque. Elle était au lycée, quand vous voyez Albuquerque Public High School, et c'est elle qui est arrivée avec un modèle mathématique où, en fait, l'idée est la suivante. Si une personne infecte 5 personnes qui infecte 5 personnes qui infecte 5 personnes, à quelle vitesse est-ce que ça se propage dans une ville? Et puis, si on ferme les écoles, en quoi est-ce que ça ralentit la propagation de l'épidémie? Alors, c'est très amusant parce que aucun
des co-auteurs de l'étude n'est infectiologue ou épidémiologue. On a un oncologue, un urgentiste, mais qui ne connaît pas du tout les épidémies, un modélisateur et une gamine de 14 ans qui propose ce modèle, qui est vraiment une innovation. Et puis, ça fait quand même du foin, et notamment, ça fait réagir un des tout grands épidémiologistes, qui est M. Henderson, celui qui a contribué le plus au fait d'éradiquer la variole. Et lui réagit à l'article que je viens de vous présenter en disant « mais ça contredit tout ce qu'on sait être vrai ». Et il insiste, on est en 2006, en disant « il n'existe pas d'observation historique qui soutienne le confinement ». Les conséquences négatives sont si extrêmes, tout ce que ça provoque comme dégâts, que cette mesure d'atténuation devrait être éliminée de toute considération sérieuse. La restriction des voyages, c'est inefficace. La suppression des manifestations publiques, la fermeture des commerces et des restaurants, c'est complètement inefficace. Donc, c'est une voie à ne absolument pas suivre. Et dans la conclusion, Henderson et ses collègues indique le plus clairement possible, l'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux et avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé possible. Donc, réponse suédoise. Et il souligne qu'une gouvernance politique est faite pour rassurer et garantir que les services de soins médicaux nécessaires soient fournis. Et écoutez cette conclusion visionnaire, on est en 2006, si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. Donc ça, c'est l'état de la science en 2006, c'est évidemment toujours vrai aujourd'hui, et puis je vous apprendrai rien, pour tous les gens qui se sont un peu renseignés par eux-mêmes, sur le fait que ça a été confirmé depuis. Donc là, je remets l'étude de Ioannidis Bhattacharya et al. Qui montre qu'il n'y a pas d'avantage significatif avec des mesures restrictives, qu'on peut obtenir les mêmes effets sans passer par là. Et puis, comme on tend encore à faire croire que la science est pour les confinements, sauf quelques dissidents, et vous voyez ici, vous avez les trois fameux épidémiologistes de Stanford, Harvard et Oxford qui ont lancé The Great Barrington Declaration, signé par 42 000 médecins, 14 000 scientifiques, pratiquement 800 000 citoyens, disant il faut absolument pas faire ça. Et puis ici, en bas à droite, c'est le directeur du Centre d'Evidence-Based Medicine d'Oxford et le vice-recteur qui ont aussi pris position en disant « mais on a vraiment pris des décisions qui étaient extrêmement mauvaises ». Donc vous voyez qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous fait croire, tous les connaisseurs sont conscients du fait que ce sont des mesures qui sont dangereuses et inutiles. Par contre, on a une petite caste de gens qui sont les porte-parole officiels de ce que Laurent Mukkeli va développer après, c'est-à-dire la doxa, qui, eux, prétendent l'inverse. Alors, tout ceci soulève évidemment une série de questions passionnantes. Alors, je ne vais pas les épuiser dans le peu de temps qui m'est imparti, mais pour vous la faire au pas de course, il y a un motif extrêmement intéressant qui est que, au fond, cette proposition fausse est restée marginale pendant un certain temps, mais a commencé à avoir du succès auprès des modélisateurs. Et on a vu notamment autour des controverses autour de l'hydroxychloroquine qu'il y a vraiment deux pôles dans la médecine aujourd'hui, pour résumer de manière un peu grossière. Un pôle clinicien où l'essentiel, c'est de soigner les gens avec tout ce qu'on a sous la main pour autant que ça leur soit utile. Et puis un pôle méthodologiste, modélisateur, scientiste qui, lui, dit, tant qu'on n'a pas de statistiques et des méthodes evidence-based, et ma foi, il faut s'abstenir même de toute démarche d'aide. Et en fait, ce courant a travaillé au cours du temps, mais, et là je vous lis vraiment l'essentiel, en ce qui concerne l'épidémie de Covid, on a un point de départ qui est, comme je vous le disais, que les plans pandémie ne prévoient pas de confinement. Là, je vous ai mis celui du CDC, qui est donc l'INSERM américain, et vous voyez, 2017 recommande l'isolement volontaire des personnes malades à domicile. On pourrait recommander une mise en quarantaine volontaire. On ne prévoit rien d'autre. Lorsque l'épidémie se déclenche en Chine, le Parti communiste chinois, lui, verrouille 11 millions de personnes, totalement en transgression de toutes les bonnes pratiques. Et là, vous voyez que la première réaction de l'OMS, c'est du verbatim. C'est tenter de contenir une ville de 11 millions d'habitants, c'est une nouveauté scientifique, c'est sans précédent dans l'histoire de la santé publique.
Donc, au moins, ils ont l'honnêteté de remarquer que c'est une singularité. Mais là où ça devient problématique, c'est que quelques jours à peine après le début du blocage, donc bien avant qu'on puisse savoir si ça a été utile ou pas, le directeur de l'OMS a ajouté qu'il était personnellement très impressionné et a félicité la Chine pour avoir établi une nouvelle norme en matière de réponse à l'épidémie. C'est-à-dire que le directeur de l'OMS, qui est quelqu'un qui a un passé assez questionnable par ailleurs, lui prend position pour cette transgression des normes, et dans les jours qui suivent, c'est le point 4, le directeur général adjoint de l'OMS affirme et prétend, c'est ce que vous devez faire dans tous les pays, maintenant tout le monde doit copier la réponse de la Chine. Alors évidemment qu'il y a ce réservoir de méthodologues et de scientistes qui sont arrivés aux commandes dans les différents systèmes de santé. Et donc, les points clés que je vous livre en conclusion de mon exposé, c'est que le confinement n'était pas prévu et recommandé, on connaissait son utilité et ses effets destructeurs, les pays ont dévié des plans qu'ils avaient prévus, qui étaient bien construits, et en toute franchise, si on les avait appliqués, on aurait eu beaucoup moins de dégâts que ce qu'on a connu. Les vrais experts n'ont pas été écoutés ou mis sur la touche ou dénigrés ou attaqués. Moi, je reste stupéfait que Christian Perron, qui a présidé la commission des maladies infectieuses de la Haute Autorité de Santé, qui est le monsieur pandémie en France, on le fasse passer pour un charlot. Le confinement a sévèrement endommagé la santé et les conditions de vie de la population. Et ces résultats négatifs qui aujourd'hui sont confirmés par la meilleure science, eh ben, continuent à ne pas être reconnus par nos gouvernements, n'entraînent pas de correctifs, et donc on continue à faire toujours plus de la même chose, quels que soient les résultats catastrophiques. Donc effectivement, ça doit poser un certain nombre de questions, et ce d'autant plus que le confinement a, en dehors de ses dégâts propres, mais généré un certain nombre de dommages. Et là, je partage avec vous, pour terminer, quelque chose que je connais de longue date, vu que je travaille vraiment dans ce champ d'expertise spécialisé, c'est qu'on sait depuis plus de 10 ans qu'en fait, les liens sociaux qu'on entretient avec d'autres personnes sont un des principaux déterminants de la santé. Et dans cette étude de référence parue dans le Public Library of Science en 2010, vous voyez qu'il y a un impact sur le risque de mortalité du simple au double, selon qu'une personne a des liens sociaux diversifiés et abondants. Et évidemment que le confinement, qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, ça a privé tout un chacun de tous les liens sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, sur la base de ce qu'on sait, ça a doublé le risque de mortalité de la population entière, y compris celle qui n'était pas malade ou qui n'était pas à risque. Avec une petite pointe qui intéressera les médecins, qui est que dans ce qu'on évoque ici, on s'est aperçu qu'il y avait une interaction entre le système immunitaire et ce réseau social. Et notamment, quand on est en déprivation de liens sociaux, il y a des phénomènes inflammatoires qui se déclenchent automatiquement. Et notamment, c'est la situation que vous trouvez en bas à gauche de l'écran, avec une libération de cytokines, donc une élévation du taux de cytokines tout à fait marquée. Et on se souviendra que la tempête de cytokines, c'était ce qui faisait le plus peur par rapport aux troubles de la coagulation, comme étant caractéristique des formes graves de Covid. Donc, en d'autres termes, de mon point de vue d'expert en santé publique, on a généré des conditions dont non seulement on savait qu'elles étaient inutiles et dommageables, mais qui, en plus, ont prédisposé physiologiquement l'ensemble de la population à développer des formes graves de maladies. Alors voilà, on sait que les commissions d'enquête et les débats scientifiques patinent un peu par rapport à ces réalités, mais je pense qu'en faisant aussi un retour sur cette histoire et sur la manière dont les choses ont été apportées, il y aurait des choses intéressantes à découvrir. Et puis j'en terminerai vraiment avec ça. Louis, tu avais évoqué ça dans une interview. La recommandation d'intuber systématiquement d'emblée les gens qui arrivaient en décompensation à l'hôpital, c'est aussi une directive qui vient du Parti communiste chinois, colportée par l'OMS, reprise par des pontes à Paris. Donc on voit qu'il y a un ensemble de réponses sanitaires aberrantes qui ont causé des destructions majeures et qui se sont imposées de cette manière. Donc, réflexion à poursuivre. Je vous remercie. Merci Jean-Dominique, c'est toujours passionnant quand on t'écoute.
Donc finalement, les masques qu'on exigeait au début, qui étaient indispensables, et ben on les a pas eus. Ce confinement n'a jamais prouvé quoi que ce soit et on l'a eu. Maintenant, on a le vaccin qui n'a pas prouvé. On va bientôt avoir le passeport sanitaire et nous, on est assez bien touchés dans les dom-tom, puisque dans la presse aujourd'hui, on nous a dit qu'on ne pourrait plus prendre l'avion si on n'a pas le pass sanitaire, puisqu'il y a une expérimentation qui commence dans quelques jours via les applications qui va être obligatoire sur le téléphone. Donc, c'est assez fou. Et j'avais été sur ton blog, Jean-Dominique, et puis, entre guillemets, tu disais, je repose la question aux sceptiques et à mes détracteurs, trouvez-moi un seul plan de lutte contre les pandémies, comme tu l'as dit, respiratoire, viral, qui est prévu d'imposer le port du masque à la population en bonne santé. Je pense qu'on pourrait rajouter tout ce qui concerne le confinement. Et tu avais rajouté, je vous offre le champagne. Donc, j'invite les internautes qui seraient un peu contradicteurs, eh ben, s'ils veulent parier une bouteille de champagne, mais je pense que ces personnes ne sont pas encore nées, visiblement. Voilà, donc c'est vraiment passionnant et je laisse la parole à qui le veut dans les membres présents. Alors, si personne ne l'apprend, moi, je vais vous faire quelques petits commentaires des internautes, hein, parce que, évidemment, cette conférence a été largement appréciée. D'ailleurs, pour se passer un peu de pommade, ça fait du bien aussi, certains commentaires. Jean-Dominique Michel, agréable à écouter, car il défend la liberté. Un autre internaute, limpide comme toujours. Voilà. Et apparemment, un nouveau internaute qui n'avait pas dû venir les précédentes fois, nous dit « Elle est super cette chaîne ». Alors, on est très content que vous trouviez ça super. Bon, il y a des commentaires intéressants, mais ce sont surtout des félicitations. Il y a quand même une question que je vais prendre pour moi. Faut-il mettre de l'huile essentielle de laurier sur un masque, nous demande Valou. Je pense que c'est pas une bonne idée. Les huiles essentielles en contact avec la peau toute la journée, ça peut donner des dermatoses. On a vu que si le masque n'est pas très efficace, c'est pas très intéressant de rajouter des huiles essentielles dessus. Alors peut-être que si vous êtes fragile et si vous prenez le métro ou le bus dans des foules très serrées, peut-être que rajouter du Ravinsara ou du laurier sur le masque pendant une heure, mais il faudrait enlever le masque et changer de masque dès qu'on arrive au bureau, par exemple. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Nous en parlerons certainement plus tard, mais il y a plusieurs questions sur l'Inde et la situation, mais on va attendre les prochaines conférences. Et puis, Christine nous dit une chose très intéressante sur le masque et qui est, je crois, très importante. Il y a un problème de pollution aussi avec ces masques qu'on trouve un peu partout maintenant. Que va-t-on faire de ces milliards de masques qui sont jetés? Et je crois que c'est un vrai problème écologique que peu de gens prennent en compte aujourd'hui. Et pour finir, un autre internaute nous dit une chose importante et qui rejoint ce que vient de dire Jean-Dominique. Confinement, masque, c'est pas forcément essentiel. L'important serait qu'on renforce l'immunité de notre immunité, l'immunité des gens. Et ça sera d'ailleurs un des sujets de jeudi prochain. Merci Eric. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, Louis? Ouais, juste un commentaire. C'est quelque chose qui apparaît quand même au travers de toutes ces mesures, c'est une incompréhension peut-être des mécanismes de transmission de la maladie, de la contagiosité. Alors c'est un champ scientifique qui est très important et qui nécessite d'être éclairé. Je crois qu'on a l'apport de Semmelweis depuis très longtemps sur les maladies infectieuses, qui a révolutionné les choses par le lavage des mains simplement. Je crois que si là on bat en brèche certaines mesures, bah, il faut aussi donner et proposer autre chose, parce qu'on vous enlève pas une bouée de sauvetage pour vous laisser couler, on vous donne aussi autre chose. C'est que le lavage des mains me semble vraiment important dans cette histoire. Le professeur Raoult l'a souligné à très nombreuses reprises. C'est vraiment l'histoire de l'infectiologie que le lavage des mains a changé la transmission des maladies infectieuses. Merci Louis. Un autre commentaire? Sinon on va passer à Laurent, hein, Laurent Mukiel, en Corse. Laurent Mukieli qui est sociologue et qu'on connaît bien pour ceux qui sont adeptes des blogs de Mediapart. Je rappelle que ce sont des blogs gratuits, donc vous pouvez y aller sans abonnement. Laurent a un blog, il est autant explosif qu'argumenté, vous y verrez. Et il va nous parler aujourd'hui de la doxa du Covid. Alors, c'est intéressant parce que dans la présentation précédente, on parlait des mesures obligatoires à condition qu'elles soient nécessaires et efficaces, à moins d'un miracle, nous disait Jean-Dominique. Eh ben, on va parler de la doxa. Alors, la doxa, c'est quoi? On a été chercher dans le dictionnaire. C'est un ensemble des opinions reçues sans discussion comme évidentes,
dans une civilisation donnée. Donc, c'est intéressant, Laurent, que tu nous parles de la doxa du Covid, parce que finalement, cette doxa ne m'imposerait-elle pas des choses qui soient que miraculeuses ou alors qui ne soient pas ni nécessaires ni efficaces. Ok, merci beaucoup, Philippe. Tout à l'heure, lorsqu'on se présentait, il y avait un très gros bruit de fond. Donc, je vais me permettre très rapidement de redire aux gens qui nous écoutent et qui ne me connaîtraient pas. Donc, mon métier, je suis directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, donc fonctionnaire d'État, ce que j'appellerais volontiers le service public de la recherche. Et le maître mot quand on pratique mon activité scientifique, c'est évidemment la première règle d'éthique, si vous voulez, c'est la règle de désintéressement. Voilà. Donc, je n'ai évidemment ni conflit d'intérêt, ni intérêt de quelconque, quel qu'il soit, à dire ce que je dis et à communiquer ce que je communique. Voilà. Je voudrais ensuite vous remercier, à Réinfo Covid et sur cette chaîne et pour ce que vous faites. C'est une action militante que je trouve fondamentale. Et militant, c'est pas un gros mot du tout. Au contraire, c'est tout simplement une autre façon de dire une action citoyenne, hein, une action où on exerce sa citoyenneté. Voilà, la citoyenneté, c'est pas de rester assis sur son canapé en regardant la télévision. Voilà, ça, c'est autre chose, voilà, mais c'est pas la citoyenneté, certainement pas. Alors, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'on raconte, ce qu'on entend les uns les autres, mais au moins on peut en discuter et faire connaître ces formes d'action collective. Donc la vôtre. La mienne aussi, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, Louis aussi, merci beaucoup, sur le blog de Mediapart, auquel chacun peut se référer, et où vous trouverez surtout des choses que je ne vais que grossièrement et extrêmement partiellement évoquer. Donc il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche, Mediapart, blog, Mukeli, et bon, ben, vous tomberez là. C'est une action collective, hein, faut le savoir, c'est pas qu'une histoire d'individus, pas du tout, le loin de là. Je publie depuis le mois de mars 2020, ce qui est devenu une série, j'appelle ça des épisodes, où j'essaie de comprendre tout simplement ce qui se passe, comme beaucoup d'autres, et où nous, aujourd'hui, essayons de comprendre, puisque très rapidement, c'est devenu une entreprise collective. J'ai publié à ce jour 50 épisodes et 25 collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs, universitaires, CNRS, INSERM, etc. Alors c'est difficile, je viens petit à petit sur le fond du propos, vous l'avez compris. C'est difficile de faire ça, nous heurtons les uns les autres, hein, dans nos actions collectives. Nous heurtons parfois de véritables censures, hein, tout simplement, de diverses formes. Plus souvent encore à des formes de mépris, de silence, ou au contraire d'attaque. Et ce qui caractérise ces attaques, c'est qu'elles sont elle cherche pas à discuter les idées qui sont présentées, mais elle cherche à discréditer en réalité ces idées, principalement en essayant de discréditer les personnes qui portent ces idées. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant sociologiquement, cette caractéristique au fond, hein, du fonctionnement du débat public actuel, c'est-à-dire qu'au fond, à l'heure de la science, on ne parle que de ça, à l'heure d'Internet, à l'heure de l'open data, bref, des technologies incroyables et les plus poussées qui soient, donc au fond de ce qui pourrait paraître une espèce de rationalité hyper objective, etc., en réalité, à l'heure de tout ça, nous fonctionnons plus que jamais, ou en tout cas comme d'habitude, principalement en réalité avec nos émotions. C'est tout à fait fascinant d'observer ça, qu'il s'agisse de l'émotion ou de la peur qui joue évidemment un très grand rôle dans beaucoup de choses, beaucoup de relations qui se passent, mais l'émotion que sont aussi, en tout cas deux émotions sociales typiques, hein, qui sont les phénomènes d'amour ou de haine des personnes, ou bien d'amour ou de haine des idéologies, hein, c'est-à-dire des idées qui ont le plus d'ampleur, le plus de profondeur, que ce soit des idéologies politiques, religieuses, bon, voilà, etc. Et qui permettent ce jeu d'amour, détestation des idéologies, qui permet évidemment, selon qu'on est dans d'un bord, d'un autre, etc., d'essayer de décrédibiliser à nouveau, voire même de diaboliser, au fond, ses adversaires, ou pour ceux qui pensent comme le monde comme ça, c'est même ses ennemis. Ça me paraît tout à fait important de dire ça, c'est faire une forme de sociologie des représentations et des émotions. Ça a joué un rôle majeur, à mon sens, ça joue encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, un rôle majeur dans toute la polémique qui s'est construite autour de la personnalité de Didier Raoult,
ça joue un rôle tout à fait majeur, encore une fois, ces émotions, la personne et les idéologies, puisque comme vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup d'arguments en réalité relèvent de cette diabolisation idéologique et consiste en particulier pour les élites qui sont politiquement très très majoritairement, on va dire, de centre droit ou de centre gauche, quelque part comme ça, hein, politiquement, et pour qui l'argument consistant à dire attention, telle personne ou telle idée est en fait cache en fait un groupe d'extrême droite et est un argument tout à fait majeur dans cette lutte émotionnelle de type idéologique. Donc ça joue un rôle tout à fait clair concernant la polémique autour de Didier Raoult, mais ça joue un rôle de manière générale. Je vous donne un dernier petit exemple très concret qui relève de l'observation sociologique. Parmi les actions collectives qu'on voit fleurir ces derniers mois, il y a celles que vous avez forcément déjà rencontrées, ces groupes qu'on appelle les masques blancs, et donc qu'on a vu dans plusieurs villes européennes, développer des formes d'action qui sont en même temps artistiques, qui consistent en des défilés, des gens, bon, bref, vous voyez de quoi il s'agit, sinon vous, les gens qui nous écoutent, là aussi, chercheront rapidement sur Internet et trouveront. Eh bien, c'est tout à fait frappant quand on lit les articles de presse, les rares articles qui sont consacrés à ça, puisqu'en réalité, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dans la société qui ne sont pas relayées ou très très peu par les médias lorsqu'elles sont des actions de type un peu contestatrice. Et celle-ci en est une. Et dans les rares articles qui en parlent, on trouve très rapidement cet argument que on soupçonne derrière des groupes, des activistes d'extrême droite. Ben, moi, je veux dire une chose très simple, c'est que j'invite toutes les personnes qui prétendent parler de ça comme d'autres choses, mais en l'occurrence prétendent parler de ça, à aller vérifier dans la réalité, dans la vraie vie, hein, la vraie vie n'étant pas de copier-coller et de regarder son ordinateur, hein, la vraie vie, c'est ce qui se passe dans la rue, dans les maisons, ouais, c'est ça la vraie vie, c'est pas l'ordinateur. Moi, je l'ai faite dans la ville où je réside actuellement, depuis 2-3 semaines, je me suis rapproché de ce groupe local qui existe et qui fait des manifestations dans la rue, et je suis allé les rencontrer, discuter, interviewer, etc. Et je me suis aperçu que la quasi-totalité des membres de ce groupe dans une ville moyenne, on va dire, pour ne pas nommer les personnes ou les lieux, la quasi-totalité des membres de ce groupe ne sont absolument pas des militants d'extrême droite, ce sont des militants écologistes, plus ou moins radicaux. Voilà. Donc, pas du tout ce qui est renvoyé comme vent. Voilà. Je veux dire ça, c'est déjà faire un peu de sociologie, en réalité, que d'essayer d'analyser la façon dont est structuré le débat public sur la crise sanitaire que nous vivons depuis plus de 14 mois maintenant. Alors, j'ai tenté, entre autres choses, d'essayer de comprendre comment fonctionnait ce débat public pour qu'on puisse en arriver à de tels phénomènes. Et au-delà de ça, au-delà des polémiques sur les idées ou les idéologies ou les personnes, j'ai essayé de comprendre un petit peu la façon dont était structurée globalement l'ensemble de ce débat public, hein, entendu comme le champ, l'espace essentiellement politico-médiatique en réalité, hein, et concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque les gens allument leur téléviseur, branchent leur radio ou tapotent sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont le plus de chances d'entendre ou de lire. Voilà. Donc quand on essaie d'analyser ça, on est rapidement frappé par l'importance, la structuration, la puissance de ce que j'appelle là effectivement doxa du Covid, ce qui n'est pas du tout une invention personnelle quelconque, hein, ça reprend une expression devenue classique en sociologie, notamment du fait des travaux de Pierre Bourdieu. La doxa, c'est quoi? Ben c'est le discours dominant, c'est plus précisément le discours des dominants, hein, c'est le discours de l'élite dominante à un moment donné, effectivement. Et la définition que vous donniez tout à l'heure en introduction était très bonne et disait très bien ça, hein, la dimension sociologique de la définition, c'est le discours des élites, ceux qui s'affirment comme les élites et qui justifient dans les démocraties occidentales au XXIe siècle, qui justifient leur position d'élite par un discours que Bourdieu appelait une sociodicée, hein, qui consiste au fond à les mettre en valeur et à les présenter comme seuls capables de faire cela, c'est-à-dire comme les détenteurs de la compétence, au fond. Hein, il faut bien justifier le fait qu'on est une élite. Lorsqu'on était roi, on disait que c'était de droit divin ou que c'était de légitime hérédité. Aujourd'hui, dans les pays, dans les démocraties occidentales, évidemment, la légitimité doit se conquérir non seulement dans le suffrage universel, mais aussi dans l'idée que on est légitime à le faire, qu'on connaît, hein, qu'on sait mieux, qu'on va faire pour, etc. A fortiori dans un État comme la France, très jacobin,
hein, et où on continue à croire à ce qui est une plaisanterie dans d'autres pays, hein, à savoir l'idée qu'on met quatre personnes dans un bureau à Paris, deux élus, deux techniciens, et qu'ils vont décider pour le lendemain matin ce qui va se passer dans la France entière, et que c'est normal, c'est comme ça, parce que eux savent. Voilà. Ce qui fait sourire, évidemment, dans d'autres pays qui n'ont pas la même histoire politique. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans d'autres pays. J'ai construit ça autour de cette idée de la doxa du Covid, et ça consiste à dire, au fond, les choses suivantes. D'abord, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent ce qu'on peut appeler des processus de normalisation éditoriale, au fond, hein, dans la production des discours, dans le débat public. Comment fonctionnent les stratégies de conquête du monopole de l'information légitime, pour reprendre encore une fois une expression de Pierre Bourdieu, et quel est ce discours qui est présenté comme la seule chose qu'il est légitime, crédible, normal, autorisé, bien, correct, etc., de penser. Donc, qu'est-ce qui caractérise ce discours? Et ensuite, qui sont les principaux acteurs qui supportent ce discours et les éventuels liens qu'ils ont les uns les autres, formant éventuellement des convergences, des ententes, des réseaux, etc. Alors, d'abord, caractériser ce qui constitue le message fondamental, hein, dominant dans le discours donc de la doxa des élites. C'est un message qu'on peut, s'il faut le simplifier à l'extrême, résumer en quatre points, à mon sens, tout à fait fondamentaux, autour desquels s'articule toute une série de sous-arguments, éventuellement, évidemment, comme chacun a pu le constater, des arguments changeants, hein, adaptés, voire contradictoires d'un moment à l'autre, selon la bonne image qu'il faut toujours donner pour paraître maîtriser la situation. Donc les quatre, à mon sens, arguments fondamentaux qui structurent ce discours. Le premier, ça consiste à dire que nous sommes confrontés à une pandémie qui constitue une menace pour l'humanité tout entière. Que ce soit les centaines de milliers de morts par pays, ou les millions ou dizaines de millions à l'échelle de la planète entière et sur une longue durée qu'ont pu annoncer les fameux modélisateurs, hein, fameuses projections mathématiques sur lesquelles se sont basés officiellement la plupart des gouvernements qui ont décidé dans la panique et l'urgence les mesures de confinement total en mars 2020. Donc la première idée, c'est celle-là. De toute façon, c'est fondamentalement une peur. C'est la base de tout, évidemment, hein, fondamentalement une peur. Nous serions confrontés à une menace absolument incroyable, apocalyptique, comparable à la peste du Moyen-Âge, la grippe espagnole de la fin et de l'immédiate après Première Guerre mondiale, etc. Ce qui est faux, hein, mais c'est ce qui est annoncé dès le début et qui est rappelé en permanence. On a encore vu, il y a une quinzaine de jours, en tout cas en France, j'ai pas commencé dans les... au moins d'autres pays où je sais où c'est pareil, les autres je ne sais pas, mais donc je suppose que ça se passe également dans d'autres pays, mais on a bien vu en France comment il y a encore une quinzaine de jours, l'annonce, ou une dizaine de jours, hein, l'annonce du cap des 100 000 morts Covid est mis en avant. Les six chiffres suffisent d'ailleurs, hein, suffisent à dire la peur, tout le reste n'est que du commentaire, du blabla construit autour fondamentalement du chiffre, hein, qui lui seul est censé produire un effet effrayant, hein, qu'ensuite on commente. Bon, donc tout est basé là-dessus, c'est la première chose. La deuxième, ça consiste à dire que face à cette menace qui surgit, qui constitue donc une menace apocalyptique, il n'y a aucune thérapeutique, aucune parade médicale immédiate pour soigner, guérir les gens. Là, fondamentalement, en fait, c'est dramatique, mais on n'y peut pas grand-chose. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et très bien par d'autres sur la question des traitements précoces. J'ai moi-même publié beaucoup et puis d'autres médecins, chercheurs là-dessus, c'est tout à fait central. Ça découle, ça fait partie, c'est le deuxième élément de ce discours. Le troisième élément structurant consiste à dire que s'il n'y a pas de parade thérapeutique, alors par conséquent, il ne peut y avoir que comme parade que des interventions non médicales, non pharmaceutiques, comme on dirait en traduisant l'anglais, hein, donc des politiques sociales. La première étant le confinement général des populations, avec tous les degrés, hein, qu'on connaît, confinement, couvre-feu, à telle ou telle heure, tel ou tel jour, que sais-je, hein, avec une infinie variété. On a vu comment le gouvernement français
étaient capables d'inventer des espèces de variations bureaucratiques au fond, hein, sur la même idée. Qui pourrait aller encore plus loin d'ailleurs, hein. Imaginons même que si on j'imagine que certains y ont déjà pensé d'ailleurs, hein, voilà, imaginez que selon les départements on n'aurait pas les mêmes et que le couvre-feu sera à telle heure dans un, à telle heure dans l'autre, voilà, on peut imaginer la folie bureaucratique dont on voit quand même de temps en temps quelques manifestations. Quoi qu'il en soit, donc, seule chose possible à faire, des mesures en réalité politiques et sociales et pas médicales, donc confiner, faire des couvre-feux ou porter le masque en extérieur. C'est quelque chose qui a l'air d'une recommandation médicale, mais qui n'en est pas une. Jean-Dominique Michel l'a très bien rappelé tout à l'heure. C'est une plaisanterie, hein, d'un point de vue médical. Enfin, dire aux gens que quand ils marchent dans la rue, quand ils courent, machin, quand ils marchent sur la plage, quand ils sont, bref, qu'il faut mettre un masque, ça n'a pas de sens en réalité. Par contre, ça a un sens social. Hein, c'est-à-dire pour un anthropologue, pour un ethnologue ou un sociologue. Qui regarderait avec distance, hein, les humains d'une société faire ça, il se dirait tout de suite, bah oui, donc manifestement ça n'a aucun intérêt médical, mais on voit bien que ça a une fonction sociale, hein, diverse. On voit que pour certains c'est l'affirmation d'une forme de citoyenneté. Je suis un bon citoyen, je mets un masque. Pour ceux qui pensent comme moi, comme vous, que ça n'a pas de sens, du coup c'est en réalité en termes sociologiques, une forme de soumission, hein, de conformisme et de soumission à une norme. On voit bien pour certains, les gens qui sont les plus apeurés, au fond, que c'est presque une sorte de talisman, on pourrait dire, hein, au sens classique, hein, de l'anthropologie, hein, un objet doté de pouvoir magique, en l'occurrence du pouvoir magique de vous protéger. Bon. Donc ça, c'était le troisième élément. Et le quatrième élément, c'est la fin de l'histoire, au fond, hein, selon cette vision du monde, consistant à dire « il ne peut y avoir d'issue à tout cela ». De délivrance finale que par une vaccination générale. Voilà la structure, à mon sens, telle que j'en suis aujourd'hui, en tout cas de ma réflexion, la structure fondamentale de la doxa. Donc, un, je répète, pour résumer, un, une menace sur l'humanité entière, apocalyptique, dramatique, etc., inédite, complète. Deux, une absence de toute parade, on ne peut rien faire, ou tout ce qu'on croyait ne marche pas, ou si tant est qu'on soit, hein, allez voir. Donc deux, on ne peut rien faire. Trois, la seule chose à faire, c'est par conséquent de tous s'enfermer chez soi. Et quatre, nous ne pourrons sortir, au fond, hein, du lit sous lequel nous sommes cachés, que le jour où le vaccin, enfin, nous délivrera. On a presque envie de dire alléluia, parce qu'il y a évidemment quelque chose de, une forme de récit, hein, qui n'est pas sans avoir une certaine dimension quasi religieuse là-dedans. Alors, la question qu'on se pose ensuite, c'est évidemment comment ce discours peut-il être à ce point dominant, structurant, comment parvient-il à s'imposer comme la seule façon légitime de penser ce qui nous arrive, voilà, de comprendre le monde dans lequel nous sommes et la crise dans laquelle nous sommes plongés. Comment se fait-il que ce soit la seule façon légitime de penser et que donc toutes les tentatives autres soit systématiquement décrédibilisé, hein, contesté, rejeté, méprisé, etc., agressé, bon, et rejeté globalement dans la nébuleuse du complotisme, hein, espèce de magma tout à fait indéfini, où les pires, les plus, voilà, tout ce qui peut être dévalorisé comme stupide, idiot, bon, ben ça. Alors, de fait, il me semble que, de même qu'il y a quatre, je n'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas de fixation sur le chiffre 4, de même qu'il y a quatre, à mon sens, facteurs structurants du discours, il y a également quatre ensembles d'acteurs qui concourent à la production et à la domination de ce discours, qui sont pas forcément des acteurs totalement articulés et cohérents entre eux, mais qui ont des alliances de faits, des articulations de faits, voire dans certains cas, hein, une série de liens, par exemple financiers, mais pas que. Ces quatre acteurs sont, à mon sens, les suivants. Le premier, c'est le tandem désormais indissociable que forme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la fondation Bill et Melinda Gates. La première fois que j'ai entendu quelqu'un suggérer ça, c'était donc il y a plus d'un an, je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un truc de complotiste typique, quoi. C'est encore qu'il y a un grand Manitou derrière Bill Gates qui a tout arrangé, machin. Dit comme ça, c'est effectivement une idée un peu bébête. Par contre, c'est une question qui méritait tout à fait d'être prise au sérieux. Et chacun pourra faire ce que moi j'ai fait, qui est très simple, hein, et qui pour le coup se fait assis sur son canapé devant son ordinateur, hein, juste en...
en prenant un peu de temps et en posant quelques questions. En l'occurrence, tout simplement en allant regarder qui sont les financeurs de l'Organisation mondiale de la santé. Et moi, j'en étais resté à l'idée que j'avais, il y a déjà de nombreuses années, hein, consistant à penser que c'était les États, les principaux États les plus riches, en fonction de leur richesse ou de leur mode politique, qui contribuaient au budget d'une organisation internationale mise en place dans l'intérêt de tous, comme il y a d'autres organisations internationales, l'ONU, etc. Oui, c'était certainement ce qui était vrai lorsque je faisais mes études à l'université, mais ça fait quand même quelques années déjà que ce n'est plus vrai. Hein. Et quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que la fondation Bill Gates et les autres fondations dont elle est le principal financeur, hein, par exemple l'Alliance pour la vaccination mondiale, sont en réalité, ces toutes dernières années, devenues le premier financeur de l'OMS. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas ne pas penser. D'abord ne pas savoir, et ensuite ne pas penser. Voilà. Ça n'est pas insignifiant, ça a forcément des conséquences. Donc ça, c'est la première chose. Il y a quelque chose là qu'il nous faut interroger. Il y a un premier type d'acteur qui a évidemment beaucoup diffusé, propagé la vision du monde, la doxa, que nous avons décrite précédemment. Ensuite, il y a un second ensemble d'acteurs qui sont les exécutifs des pays occidentaux, les gouvernements actuels des pays occidentaux, gouvernements de type libéraux avec des degrés divers, et qui ont réagi dans un processus de grande imitation mutuelle. La raison principale pour laquelle la France confine le 17 mars 2020, je crois, de mémoire, c'est bien sûr de la panique, c'est bien sûr des formes d'incompétence, de l'ignorance, de tout ce qui avait été déjà prévu, etc. Mais c'est aussi beaucoup des processus d'imitation, en fait, des autres pays. Hein. L'Espagne confine, l'Italie confine, et quelques jours après la France, voilà, tout le monde en brillant sur ce qu'on pensait être le modèle chinois. Et c'en est un, mais c'est pas le seul en Chine même. Donc il y a l'attitude des gouvernements et les acteurs que sont ces gouvernements, qui par ailleurs, très rapidement, sont confrontés aussi à des enjeux qui sont les leurs, hein, leurs enjeux électoraux, le fait que plus le temps passe et plus évidemment il devient difficile de reconnaître des erreurs fondamentales, on veut fondamentalement se justifier, dire qu'on avait bien raison, qu'on a raison de faire ce qu'on fait et qu'on a bien raison de continuer à le faire. Donc il y a là des logiques proprement politiques. Il y a un troisième ensemble d'acteurs qui sont les médias, dans leur grande diversité, les médias traditionnels, hein, entendons l'ensemble des entreprises qui salarient les journalistes en télévision, en radio, ou en presse écrite et Internet, qui sont par ailleurs un secteur de la société, on va dire comme ça, qui est en crise de confiance, en crise économique, d'une part, et en crise de confiance vis-à-vis de la population, très importante depuis de nombreuses années. Hein, toutes les enquêtes d'opinion montrent la crédibilité de plus en plus minoritaire qui est accordée. Et pour ces entreprises qui sont donc à la fois en grande difficulté économique et en grande difficulté de reconnaissance et de crédibilité dans l'opinion, il y a évidemment un enjeu tout à fait majeur à, au fond, essayer d'avoir le plus possible l'exclusivité de la diffusion de l'information légitime sur cette crise sanitaire. C'est presque une question de survie, je dirais, pour beaucoup. Et ça joue un rôle évidemment tout à fait fondamental. Et ce à quoi on assiste, à mon sens, est l'apogée d'une crise qui va falloir débriefer, au fond, après, mais qui va forcément laisser des traces très profondes. Parce que le fait que les journalistes se soient, au fond, eux-mêmes, tous alignés sur cette doxa, voire même se soit mué en protecteur, en gardien, en chien de garde, dirait Serge Halimi, directeur du monde diplomatique, c'est tout à fait frappant, hein, le fait qu'on abandonne la neutralité, qu'on ne cherche pas à organiser la discussion contradictoire, etc. C'est tout à fait étonnant et dramatique ce qui est en train de se passer. Je pense que dans les années qui viennent, ça va provoquer quand même quelques crises importantes. Et puis le quatrième acteur qu'on a vu surgir et prendre un rôle très important dans cette crise, et ça caractérise aussi notre 21e siècle, hein, l'évolution de nos sociétés actuelles, ce sont au fond les géants du numérique, hein, les Google, les Facebook et autres, et qui soient américains, qui soient chinois aussi, si on décline toutes les applications qui constituent le cœur de la vie numérique pour de plus en plus de personnes, hein, parmi nous, hein, dès la préadolescence au fond et tout au long de l'âge adulte
jusqu'à un certain âge, ces géants du numérique dont on voit qu'ils contrôlent de plus en plus, d'abord les réseaux sociaux, hein, autour desquels se sont affirmés des géants comme Facebook ou Twitter, les réseaux sociaux, mais même aussi de plus en plus, ils prennent du contrôle dans les médias traditionnels, hein, du contrôle bien sûr principalement financier, hein, et on voit que ces géants du numérique, par ailleurs, sont parmi les grands gagnants, hein, économiques de la crise que nous traversons, et qu'ils en ont profité pour accroître considérablement leur emprise, non seulement sur la vie numérique, mais donc plus largement encore, aussi dans leurs associations aux médias traditionnels, par le biais en particulier des profits publicitaires. Voilà. Bon, j'ai pas le temps, bien sûr, de détailler tout ça. Ça peut paraître un peu abrupt, je m'en excuse. C'est une invitation à la lecture que je voulais faire pour vos auditeurs, hein, en faisant état de l'avancée provisoire d'une tentative pour comprendre un petit peu ce qui nous arrive, en mettant en distance aussi bien les formes de propagande, au fond, que constitue la doxa, que ce que sont les vraies formes de complotisme, hein, et le complotisme, je rappelle, c'est pas le fait simplement de contester la doxa, ça s'appelle simplement l'esprit critique, le complotisme, c'est autre chose, le complotisme, c'est le recours à d'autres formes d'eschatologie, de religion, d'idéologie, qui consiste à dire tout ce qui se passe, en fait, est le produit d'un projet défini par avant dans un monde caché par des gens, hein, qui ont le vrai pouvoir. Autrefois, on disait le pouvoir magique. Hein, aujourd'hui, ce serait d'autres formes de pouvoir, mais qui tapis dans l'ombre depuis des années projettent un tas de choses. Ça, c'est autre chose. Hein, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec, encore une fois, le libre exercice de son esprit critique comme un adulte vivant en démocratie au XXIe siècle. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment, c'était passionnant ton topo là. Alors moi, je retiens qu'il y a quand même les quatre points structurants. Et quatre points structurants, et paradoxalement, ce sont les mêmes que nous impose cette doxa, et que ce sont les mêmes qui nous censurent sur YouTube. C'est ceux qui remettent en cause la pandémie, c'est qu'il n'y a pas de traitement, c'est qu'il faut le confinement, et c'est qu'il faut la vaccination. C'est cette texto, pour ceux qui ont eu des chaînes qui ont été censurées récemment par YouTube, l'explication de la censure, texto. Et évidemment, c'est en rapport avec un des quatre acteurs que tu viens de citer, ce sont les géants du numérique. Alors, c'est très intéressant ce dont tu as parlé des discours des élites, parce que finalement, pour les professionnels de santé que certains d'entre nous sommes, eh bien, les ordres, notamment l'ordre des médecins, c'est donner une légitimité de société savante pour reprendre justement ces quatre points structurants, alors qu'ils ne le sont pas. Et puis, tu as bien remis en place la notion politique éventuellement de notre groupe, de tous ceux qui contestent un peu la doxa actuelle. Nous sommes un groupe apolitique, bien sûr, et puis nous ne sommes pas une secte, comme certains auraient voulu le prétendre. Et je terminerai par inviter les personnes à regarder donc tous tes épisodes. Tu nous en as déjà fait 50, et j'aimerais bien savoir combien tu en projettes. Évidemment, tu ne le souhaites pas, tu ne peux pas le savoir. Et j'aimerais bien savoir, à titre personnel, quel sera le titre du dernier épisode, est-ce que tu y as pensé? Et puis voilà, si tu peux nous donner une petite réponse, et après je vous inviterai peut-être à une ou deux questions des chat-chats, parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais voilà, est-ce que tu peux répondre à ces questions sur ton dernier chapitre? Merci beaucoup déjà pour les questions et voilà. Non, je n'ai strictement aucune idée, évidemment, du moment où ça va se terminer. Nous allons mais c'était fatal, hein, d'aller de rebondissement en rebondissement. Je suis tout à fait persuadé que de toute façon, ce n'est que dans quelques années que les choses commenceront à se clarifier. J'en suis tout à fait persuadé. Donc, je suis pas très inquiet. J'ai pris mon parti, moi, de travailler tranquillement avec toute une série de gens, et de travailler pour le principe, et je dirais pour le futur, voilà. Bon, mais il faut pas s'attendre évidemment à ce que les choses d'une quelconque manière se résolvent rapidement, j'en suis persuadé. Donc le dernier épisode, je serai pas, j'en ai aucune idée. Bon, si je voulais faire une blague. C'est fatigant de ramener trop souvent les choses à Didier Raoult. Donc j'allais vous dire, ce serait le Covid, l'enquête, machin, fin de partie. C'est pour faire une petite provocation, évidemment, parce qu'on nous a quand même bien fatigués avec ces histoires-là. Ça, c'est l'occasion de le dire. Je l'ai déjà dit ailleurs, mais je veux le redire ici.
j'ai rencontré, y compris dans ma discipline, hein, qui est la sociologie, ou même élargissons les sciences sociales, j'ai rencontré quand même pas mal de gens dont le discours, l'argumentation consistait en fait, en tout cas entre février et 2020 jusqu'à l'été 2020, consistait fondamentalement à discuter la personnalité de Didier Raoult. Et j'ai toujours trouvé ça absolument lunaire pour un chercheur et pour un sociologue. C'est-à-dire que c'est un petit peu la base de notre métier quand même, hein. Et essayer de comprendre globalement ce qui se passe dans une société à un moment où des processus tellement forts sont mis en place, où on discute de la vie, de la mort, des stratégies de santé publique, où ça mobilise les gens beaucoup plus que sur n'importe quelle question sociale ou politique de ces dernières années, et de voir que le niveau de discussion de beaucoup de gens, y compris donc des chercheurs, des universitaires et des sociologues, c'était de discuter les attributs d'une personnalité, ça reste pour moi quelque chose d'assez mystérieux et qui dit bien à quel point ce sont des rationalités émotionnelles qui structurent le débat public et pas autre chose. Parce que sinon, pour un sociologue débutant, je veux dire, de première année, c'est quand même une erreur de base. C'est pas comme ça qu'on réfléchit, quoi. En aucun cas. Voilà. Alors, merci Laurent. On va poursuivre parce que on boit tes paroles, mais malheureusement, le temps passe. Voilà, on attend impatiemment ton dernier numéro qui pourrait peut-être s'appeler Échec et Maths, en espérant que ce soit pas Pat. Et puis, ce que je vous propose, une petite question peut-être de nos internautes via Eric. Écoute, si tu veux, avec plaisir. Oui, mon micro est enclenché. Donc, beaucoup de commentaires très sympathiques. Celui que j'ai retenu de Marie-Annick, quel plaisir et quel régal de vos rencontres pleines de bon sens, d'écoute empathique, de bienveillance, de respect mutuel. Alors, une autre internaute dit, j'aimerais bien une conférence sur la démocratie, car on ne sait plus vraiment ce que ça signifie. J'ai trouvé ça à la fois triste et intéressant. Evelyne nous dit « Je n'arrive plus à parler à mon entourage car trop pollué par les médias, que faire ?» Et donc un autre internaute dit « Comment s'en sortir face à la puissance de la doxa? Comment reconquérir l'espace médiatique ?» Cette question est tellement large, je ne sais pas si on peut y répondre ce soir, mais une autre internaute dit « Nous pouvons tout stopper en nous unissant. » Je ne sais pas si Laurent ou d'autres veulent rebondir sur cette question, mais cette notion d'espace médiatique et d'endoctrinement permanent par les informations actuelles pose des vrais problèmes, je pense, et vont dans le sens de ce que dit Laurent. On n'est pas prêt de se sortir de cette situation. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à cela à la fin du débat. Il y a simplement une petite question d'Hélène Baoun qui se propose. Hélène. Oui, voilà, je voulais juste rajouter par rapport aux internautes ce que vient de dire Eric et par rapport à ce qu'a dit Laurent. Il a parlé de 4 acteurs, mais quand même, il faudrait pas oublier un 5e qui est la population générale et comment elle va réagir aux conséquences économiques de toutes ces mesures. Voilà. On existe quand même, la population générale existe, il n'y a pas que ces 4 acteurs. Qui sont en haut, nous on est en bas, et c'est ça qui va faire changer la chose et qui va accélérer la résolution de cette crise. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut compter. Voilà, merci beaucoup Hélène. Ce que je vous propose, c'est de continuer. Alors on va continuer avec Vincent Pavant. Bon, on a parlé de Monsieur Raoult, on pourrait l'appeler Monsieur Raoult des mathématiques. Il faut rappeler que Vincent avait proposé le 9 septembre de faire retirer, enfin proposer à ses étudiants de retirer le masque, et ça a été, oh là là, un dilemme pour la faculté d'Aix-Marseille, puisque depuis, il est mis à pied au moins pour 2 mois. Voilà, donc voilà, c'est un peu notre Raoult des mathématiques. Et tu vas nous parler des confinements qui auraient accéléré la propagation de l'épidémie. C'est bon, mon micro. Alors, qui ont accéléré l'épidémie Bon, puisqu'on a une preuve mathématique, voilà. Donc, Jean-Dominique Michel a dit qu'on savait que les confinements ne servaient à rien. Et j'ai envie de dire, maintenant, on en est sûr, en plus, puisqu'on a une preuve mathématique de ça. Donc, alors, je rappelle juste que, voilà, le 16 mars 2020, donc, Jean-Dominique Michel l'a dit, voilà, le Conseil scientifique nous propose dans son avis que le confinement, voilà, va permettre d'éviter la diffusion du virus. En fait, évidemment, c'est plus un vœu pieux qu'autre chose, mais
La question effectivement qu'on va se poser ici, c'est au fond, qu'est-ce que peuvent dire les mathématiques voilà, sur la question du confinement au printemps et sur ses effets supposés de ralentissement de la diffusion. Est-ce qu'on a des preuves chiffrées mathématiques de ça? Ça aurait dû être une question évidemment que devait se poser le Conseil scientifique, parce qu'effectivement, il y avait un pays, bon, la Suède, qui n'avait pas confiné, plein d'autres pays européens qui avaient confiné. Et donc, bah, manifestement, il fallait essayer de faire une comparaison sur la base bah, des chiffres effectivement qu'on avait. Alors, donc, voilà. Le principe, en fait, donc, que je me suis donné, ça va être d'étudier en fait, la possibilité d'avoir la diffusion de voir la diffusion du virus sur les courbes de mortalité. Alors, ces courbes de mortalité, je les sors de la source aujourd'hui utilisée un peu par tout le monde, qui est Our World in Data, hein, que le gouvernement utilise lui-même. Et l'idée, c'était de montrer justement que ces courbes répondaient à un modèle mathématique assez précis qui, effectivement, permettait de comparer les vitesses de propagation des épidémies. Autrement dit, on peut lire, effectivement, dans l'évolution des taux de mortalité journaliers, eh bien, la manière, effectivement, éventuellement, avec laquelle le virus se propage. Donc, j'ai comparé, en fait, 10 pays européens d'assez grande taille, hein, qui avaient notoirement confiné, donc vous les voyez ici, Allemagne, Angleterre, etc., France, bien sûr, jusqu'à la Suisse. Et puis, évidemment, bah, un pays qui n'avait pas confiné, la Suède, un pays européen qui n'avait pas confiné. Et donc, en fait, je me suis demandé s'il y avait des modèles mathématiques derrière qui permettaient de sortir eh bien, des chiffres de la cinétique, de la diffusion donc, du virus. Alors, le principe, vous voyez ici, je vous ai donné pour l'Italie donc, les chiffres de mortalité journalière hein, que vous régularisez en fait, ici ensuite par des procédés mathématiques, et ici pour la Suède. Et alors, la première chose qu'il faut remarquer, donc ça va être un peu à la base de l'analyse mathématique, c'est que c'est des courbes qui sont asymétriques. Hein, autrement dit, vous montez beaucoup plus vite que vous ne redescendez. Hein, là, vous mettez 40 jours pour monter, et vous mettez à peu près une centaine de jours pour descendre, et ici, pareil. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut lire dans cette asymétrie les paramètres cinétiques de l'évolution de la pandémie, et si oui, comment est-ce qu'on peut chiffrer tout ça numériquement? Alors, bon, le modèle que je vais utiliser pour essayer de rendre compte de ça, c'est le plus vieux modèle de l'épidémiologie, c'est le modèle ICR, c'est celui que pensent dominer les épidémiologistes. Alors, en fait, il ne le domine pas du tout, hein, on va le voir, c'est un modèle assez simple, mais pourtant, il est déjà hors de leur portée. Alors, c'est un modèle qui est relativement grossier, on peut le dire, assez peu réaliste, comme je l'ai dit, galvaudé par les épidémiologistes eux-mêmes. Quand vous lisez la littérature là-dessus, vous voyez qu'ils comprennent rien à leur propre modèle. Mais bon, c'est un modèle qui est très simple à utiliser, donc on doit toujours tester en premier, puisque le plus simple est souvent le plus efficace. Voilà. Alors, donc, c'est quoi le principe de ce modèle-là? Vous avez une population de taille N, c'est celle qui va donc participer à la diffusion du virus, qui est partitionnée en trois catégories. Donc, S, c'est ce qu'on appelle les susceptibles, c'est ceux qui ne sont pas encore infectés par la maladie, mais qui vont peut-être l'être donc, par des rencontres avec les infectés. I, c'est le nombre de personnes qui sont infectées et qui sont en même temps infectantes. Et puis R, c'est le nombre de personnes qui vont être sorties, on les appelle les removed en anglais, hein, sorties de la maladie, soit par guérison, heureusement, ou soit par mort. Et là, c'est en fait le modèle SIR donc, se propose de modéliser la propagation de l'épidémie de la même manière qu'une cinétique de réaction chimique, c'est-à-dire que bah, si vous mettez en contact ici une personne saine avec une personne infectée, bah, vous ressortez éventuellement avec deux personnes infectées, et puis si vous êtes une personne infectée, vous avez la possibilité d'être sorti du jeu de l'infection, soit par guérison, soit par... Bon. Et donc, on va appliquer une vitesse de propagation de réaction, si vous voulez, à ce modèle-là, pour essayer de modéliser la vitesse de propagation de l'épidémie donc dans la population des susceptibles. Alors donc, il faut modéliser ce qu'on appelle les taux les incidences, hein, c'est-à-dire les taux de rétablissement et les taux de personnes qui vont tomber malades, hein, c'est-à-dire les variations par unité de temps, effectivement, des personnes saines et des personnes rétablies. Et donc, bon, il y a une petite règle très simple qui vous dit que c'est quoi l'augmentation du nombre de personnes qui vont être infectées ou, de manière semblable, la diminution des personnes saines. Eh bien, c'est quand une personne saine rencontre une personne infectée et que, avec un certain taux de fréquence, il y a une probabilité donc que cette rencontre, eh bien, donne une nouvelle personne infectée. Et puis donc, quand vous êtes vous-même infecté, eh bien, vous avez assez spontanément eh bien, la possibilité de sortir de l'état infectieux, et on va dire que le taux de rétablissement il est proportionnel à chaque instant au nombre des infectés. Alors, on a une interprétation physique un peu de ces paramètres-là, bêta, gamma, qui sont les paramètres fondamentaux du modèle. Donc 1 sur bêta, c'est quoi? Bah, c'est le temps mis pour infecter une autre personne. Et puis 1 sur gamma, c'est le temps que vous restez contagieux. Et quand vous divisez 1 sur bêta par 1 sur gamma, eh bien, vous divisez donc évidemment le temps que vous restez contagieux par le temps que vous mettez pour infecter une autre personne, et ça vous donne naturellement ce qu'on appelle le fameux R0, hein, le nombre basique de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires, c'est le nombre de personnes que vous allez infecter. Alors, il y a une autre interprétation sur bêta qui est extrêmement importante, puisque c'est sur ce bêta
que le conseil scientifique va dire, et l'épidémiologie, la doxa, comme disait Laurent Muquet, la doxa d'épidémiologie aujourd'hui, va dire qu'il faut agir. Bêta, on peut l'obtenir comme étant un produit donc d'une fréquence de rencontre entre des infectés et des susceptibles, multiplié par une probabilité de transmission virale lors d'une rencontre. Alors, ce que va nous dire effectivement le conseil scientifique, c'est qu'il y a deux manières de non médicamenteuses d'agir sur ce bêta. Le premier, c'est de diminuer la probabilité de transmission, donc ça va être ce qu'on va appeler les gestes barrières, mettez un masque, restez à mettre l'un de l'autre, lavez-vous les mains, etc. Et puis, il y a une autre manière, effectivement, de diminuer la fréquence de rencontre, c'est de confiner, et on dit, si on joue sur tous les tableaux, on va diminuer ce bêta, et si on diminue ce bêta, on va bien sûr ralentir, effectivement, la fréquence, des gens qui tombent malades. Alors, est-ce que c'est possible de lire dans les courbes, effectivement, de mortalité, la diminution de ce bêta, ce qui se tendrait à dire que la Suède devrait avoir dans les courbes un bêta plus grand que les autres, puisqu'eux n'ont pas confiné et n'ont pas, par exemple, rendu les masques obligatoires. Alors, en fait, si vous connaissez bêta et gamma, vous pouvez résoudre donc les équations différentielles du modèle Hissière. Donc, je passe rapidement, mais c'est un petit jeu mathématique, où là, vous avez en particulier ici, à droite, vous voyez la courbe du nombre des infectés, qui est une courbe, on voit qui monte et qui descend de manière un peu asymétrique. Et en fait, on va voir que les courbes de mortalité dans le modèle ICR, normalement, ce sont justement des courbes de forme I, comme ça. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que dans ces courbes de forme I, on va pouvoir retrouver des paramètres bêta-gamma, en particulier, bien sûr, le paramètre bêta. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le problème direct. Vous donnez bêta-gamma, puis vous résolvez avec un petit programme mathématique, effectivement, les courbes effectivement désinfectées et ici d'incidence cumulée. Mais en fait, la vraie question que vous devez vous poser, c'est ça s'appelle la question du problème inverse, c'est si vous donnez une courbe de mortalité, donc vous étudiez la mortalité au cours du temps, est-ce que vous pouvez retrouver les paramètres bêta-gamma qui feraient que cette courbe de mortalité est bien une courbe proportionnelle au nombre d'infectés, effectivement, dans les modèles ICR. Alors pour ça, il y a un petit modèle mathématique qu'on peut mettre en place qui va justement essayer de caractériser l'asymétrie de la courbe. Comment vous faites? Vous donnez un niveau de mortalité, puis vous cherchez le temps que vous allez mettre pour monter ici au pic. Ça vous donne un premier intervalle de temps. Et puis ensuite, vous cherchez le temps que vous mettez pour redescendre du pic au niveau où vous étiez parti. Et puis, vous faites le rapport de ces deux temps. Et puis, ça vous donne quelque chose qui est plus grand que 1. Justement, ça caractérise la symétrie. Et puis, vous calculez la valeur moyenne, justement, de ces rapports de temps sur l'ensemble des valeurs de la mortalité. Donc, ça vous donne ce qu'on appelle un petit facteur d'asymétrie. Donc, c'est toute intégrale. Il n'y a rien de très compliqué. C'est mathématiquement tout à fait contrôlé. Alors, cette fonction, effectivement, d'asymétrie, vous pouvez démontrer qu'elle dépend que de R0 avec des fonctions mathématiques très intéressantes et des fonctions transcendantes de Lambert. Et vous savez calculer tout ça, c'est-à-dire que si vous vous donnez un R0, vous savez calculer le facteur d'asymétrie qui va caractériser donc la différence de temps entre les montées et les descentes. Et puis à l'inverse, si vous vous donnez un facteur d'asymétrie calculé sur une courbe, vous savez recalculer le R0 effectivement qui a donné naissance à cette courbe. Donc c'est effectivement cette courbe que j'ai tracée ici, c'est la fonction d'asymétrie qui ne dépend donc que de R0. Donc nous en pratique, on va mesurer ici la valeur d'asymétrie et puis on va en déduire le R0 d'où on est parti. Alors, une fois qu'on a ce R0, on peut retrouver assez facilement le gamma en allant chercher la valeur du pic épidémique. Ici, le nombre total de morts en fait, que vous avez eu, ça s'appelle l'intégrale sous la courbe, là. Et puis, si vous multipliez par un petit facteur de normalisation, là, vous retrouvez la valeur du gamma. Et puis, une fois que vous avez gamma et que vous avez R0, le produit, ça vous donne tout simplement bêta. Alors, si vous appliquez votre petite méthode là, sur une courbe que vous avez tracée vous-même, vous voyez qu'en partant de paramètres ici que vous êtes fixés, vous le retrouvez exactement par votre méthode. Alors, cette méthode, c'est un petit peu une tricherie ici parce que vous partez de courbes parfaitement maîtrisées, complètement claires, sans bruit gaussien ou sans bruit, effectivement, Alors, vous pouvez montrer que même si vous perturbez ici, vous voyez, fortement vos données de mesure, puisqu'on sait que les données de mortalité, c'est des données administratives qui ne remontent pas de manière régulière, en faisant vous-même ce qu'on appelle une régularisation, c'est la fameuse moyenne glissante, vous savez retrouver quand même vos coefficients avec une assez bonne précision. Ici, vous avez moins de 10%. Effectivement, malgré une très forte perturbation, moins de 10% dans le recalcul sur bêta et environ 30% sur gamma, ça reste largement acceptable, eu égard ici à la très forte perturbation qu'on a choisie. Donc, avec un bruit aléatoire qu'on sait intervenir dans les données mesurées, vous savez que votre estimation de bêta sera bonne. Alors donc, vous allez appliquer votre méthode de calcul de la symétrie, de recouvrement de gamma et de bêta donc, à des pays. Et puis, donc, vous choisissez un pays, donc pour l'exemple, celui d'Italie. Vous voyez qu'ici, vous avez la courbe effectivement des données mesurées par les administrations, pour laquelle vous faites une régularisation ici.
Et puis, vous montrer qu'avec votre petite méthode, vous savez retrouver donc une forme essieire ici, qui est effectivement très, très, très bien calculée, qui représente vraiment très bien le phénomène. Et quand vous comparez ici, effectivement, la courbe ici, donc, observée, régularisée avec votre modèle théorique, vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune différence, notamment de 6% de différence. Et moi, je peux vous dire, puisque j'ai l'habitude de passer mon temps à comparer des modèles avec des expériences, c'est rarissime d'avoir une aussi belle précision eu égard à ici à la simplicité du modèle et à la perturbation des données. C'est vraiment très rare d'avoir une aussi belle, un aussi bon accord en fait entre les courbes mesurées et les courbes de théorie. Bon, alors donc vous voyez que si vous calculez le bêta pour l'Italie, vous avez 0,25 à peu près jour moins 1, ce qui veut dire que eh bien il vous faut 4 jours pardon pour infecter une personne. Tandis que vous allez effectivement eh bien, rester infectieux beaucoup plus longtemps, donc ici une trentaine de jours, un peu plus. Voilà. Donc du coup, cette méthode là, qui a l'air de vraiment très bien marcher, vous pouvez l'appliquer pour tous les pays qu'on a cités, et puis obtenir une liste de valeurs de bêta, puis voir un peu ce qui se passe, en particulier dans le cas de la Suède. Alors d'abord, donc effectivement, vous pouvez donc maintenant lancer vos calculs en série grâce à la donnée de Our World in Data. Et il y a une chose qui m'est apparue, auquel je ne croyais pas, mais qui est extrêmement intéressante, c'est que quasiment tous les pays qui ont confiné ont exactement le même bêta, hein, qui est une moyenne à peu près à 0,25, hein, ce qu'on a vu pour l'Italie, avec un écart-type très faible donc sur ces bêtas. Et donc, il y en a un seul en fait de pays qui se distingue des autres manifestement, c'est effectivement la Suède. La Suède a un bêta donc effectivement qui va mesurer de manière très concrète et bien. L'infectiosité, donc la rapidité avec laquelle, bien sûr, l'épidémie va se diffuser. Il y en a un qui a un bêta significativement plus faible, c'est la Suède, et significativement plus faible, c'est plus de une fois et demie en fait inférieur eh bien, aux autres pays. Et puis, c'est un peu effectivement interpellant parce que la Suède, c'est précisément le pays qui n'a pas confiné et qui n'a pas rendu obligatoire le masque et qui s'est contenté de donner des recommandations à sa population. Donc, on voit très bien effectivement qu'on retrouve les conclusions de Jean-Dominique Michel, c'est-à-dire que on savait effectivement que le confinement, effectivement, c'était quelque chose qui ne marchait pas et qui même avait tendance à accélérer. Et bien là, on le voit de manière complètement mathématique, si vous voulez, démontrer avec tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez calculer ce qu'on appelle le Z-score pour la Suède, c'est moins de 48, c'est-à-dire que vous excluez effectivement, à 95% que ce terme-là soit une fluctuation aléatoire sur les autres, donc il y a quelque chose de tout à fait structurel. Voilà. Donc, j'en termine ici avec cette présentation. Voilà. Donc, les discours officiels, donc la doxa justement de Laurent, hein, nous ont vendu le confinement 2020 comme étant une mesure, par exemple, de contrôler la diffusion de l'épidémie. Donc, il s'agissait de diminuer la valeur du bêta, effectivement, donc la fréquence des rencontres par le confinement et les probabilités de transmission, donc, via les gestes barrières. En vérité, ce qu'on voit, c'est que par les calculs mathématiques, par les démonstrations qu'on peut faire sur le modèle ICR, qui marche très, très bien, eh bien, pour la Suède, ce facteur bêta, il est 1,6 fois plus petit que pour les autres pays. Et ce qui est extrêmement inquiétant dans, effectivement, l'analyse que j'ai faite ici, qui aurait dû être faite depuis très longtemps, c'est que le Conseil scientifique, évidemment, n'a jamais essayé de produire aucune comparaison sur, effectivement, les confinements entre les différents pays européens. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que soit ce Conseil scientifique est malhonnête, soit qu'il est incompétent. Et je ne vous cache pas que, selon moi, c'est probablement un peu les deux à la fois. Alors, voilà, l'ensemble des calculs, les démonstrations très précises, la production automatique donc des documents attachés à ce que je viens de présenter, c'est disponible via un Google Lab, Google Collab, pardon. Donc, attention, ça nécessite d'avoir un Google Drive sur son ordinateur. Donc, c'est un petit prix à payer aux GAFA. Mais en tout cas, si vous avez ça, eh bien, en allant chercher cette URL, eh bien, vous allez tomber sur le Google Collab, vous exécutez le petit script qui est proposé et donc ça produira sur votre Google Drive les PDF, les images, les points RMD, les points HTML dont vous avez besoin pour effectivement étudier plus en profondeur, si vous le voulez, tous les calculs que j'ai présentés. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je rassure les personnes qui sont en train de prendre des notes et recopier les schémas et les tableaux, qui vont pouvoir tout revoir dès la fin de ce live sur reinfocovid.fr/live et mettre au ralenti, ce qui permettra de voir les courbes et les tableaux. Alors, tu nous avais présenté cette fameuse étude que tu as considérée comme falsifiée, ayant amené le gouvernement pour la fermeture des cafés et des restaurants. Tu nous as présenté la semaine dernière la nocivité du masque chez les moins de 14 ans. Tu nous dis maintenant que les confinements ont accéléré la propagation de l'épidémie. Je pense qu'il serait temps, Vincent, de changer d'université et qu'il ne soit ni incompétente ni malhonnête. Voilà, je laisse la parole à quelques questions des experts du CSI.
Alors, si personne ne prend la parole tout de suite, je vais reprendre moi quelques questions des internautes. Alors, d'abord, bon, évidemment, même moi qui aime beaucoup les maths, des fois, j'ai un peu de mal avec certaines formules, mais les conclusions sont toujours limpides. Et un internaute nous dit, Monsieur Pavan, SVP, serait-il possible de donner des cours de maths aux membres du gouvernement? voilà. Alors, Romain nous dit aussi, s'il n'y a pas de débat contradictoire, alors on nous ment. Et effectivement, il y a un vrai problème dans les médias, c'est que il n'y a jamais de débat contradictoire. Et ces chiffres que nous montre Vincent ne sont pas donnés. Et ce qui était extraordinaire, inversement, c'est que Vincent vous propose de les retrouver où vous voulez, enfin pas où vous voulez, sur le lien qu'il a donné, sans problème, quand vous voulez, je voulais dire. Et donc, on peut contrôler ce qu'il dit. Maintenant, une question pour Vincent. Monsieur Vincent, s'il s'avère que votre analyse de l'étude Comcor que vous avez présentée la dernière fois, donc et que vous relayez, donc si cette analyse est vraie, comment se fait-il qu'elle ne soit pas relayée pour dénoncer ce scandale? Alors, oui, elle est vraie. Donc, bon, moi, je vous cache pas que l'ambition qu'on a, c'est de porter cette affaire devant un tribunal pénal, si vous voulez, parce que il faut du contradictoire. On n'arrive pas à l'avoir dans les médias. On a du mal à l'avoir au niveau du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État nous a retoqué. Et donc, un dernier espoir maintenant d'avoir du contradictoire, c'est devant un tribunal pénal. Donc, d'une manière ou d'une autre, on veut l'avoir. André Berkoff m'avait interrogé là-dessus, effectivement. Donc, moi, j'avais pu sur Sud Radio, effectivement, le diffuser. Mais bon, de toute façon, il y a c'est assez simple. Les mathématiques, vous savez, c'est des démonstrations. C'est pas compliqué, c'est vrai, c'est faux. Et bon, un mathématicien peut se tromper, c'est vrai, mais à ce niveau-là, quand vous êtes un mathématicien honnête, il n'y a pas d'erreur, en fait, à produire. Et par conséquent, bah, le débat, on ne veut pas le faire parce qu'on sait très bien à la fin ce qui va se conclure. Hein, c'est que, effectivement, l'étude est bidonnée. C'est effectivement aujourd'hui que vous ne pouvez pas. Enfin, je vais fanfaronner un peu, mais je vais mettre un petit peu le conseil scientifique d'en face, hein, on va dire, les légaux, mais les illégitimes, si j'ose dire. Un petit peu dans le challenge, vous ne pourrez pas mettre le calcul mathématique que j'ai fait. Vous ne pourrez pas, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Il faut se rendre à l'évidence. Comme l'a dit Jean-Dominique Michel, on le savait depuis très longtemps, mais maintenant, on en est sûr. Effectivement, bon, il y a des preuves mathématiques. Moi, j'ai fait juste une étude mathématique des courbes avec des modèles standards, si vous voulez, et c'est implacable. Voilà, donc pourquoi on n'en débat pas? Pourquoi les médias ne le diffusent pas? Bah, parce que de toute façon, s'ils commençaient à le faire, c'est effectivement bah, à la fin des croyances, des doxas, des croyances. Et donc, bah, c'est la science qui revient à ce qu'elle est, c'est-à-dire la découverte de la vérité, démontrable, falsifiable, effectivement, contradictoire avec et transparente. En mathématiques, la démonstration a deux sens, le sens de raisonnement et le sens de transparence. Vous montrez, c'est-à-dire que vous raisonnez et puis vous le dites à tout le monde. Donc, la raison pour laquelle, moi, je comprends que les médias veulent pas relayer ça, c'est que de toute façon, ce serait trop violent. Trop violent. Moi, j'avais essayé de débattre avec Simon Cauchemez, hein, vous savez, le monde du procès scientifique là, qui prétend faire des maths, et en fait, qui fait à peine des multiplications et encore. Effectivement, bon, on m'a fait répondre qu'il était le meilleur épidémiologiste au monde, donc il ne voyait pas pourquoi il fallait débattre avec les autres. Donc, si vous voulez, bon, bah voilà, la messe est dite. Et donc, bah, j'espère qu'avec le conseil scientifique, on va effectivement bah, faire en sorte que d'autres personnes voient ce qui se passe, aillent voir les Google Colab, parce que nous, on est transparents, et du coup, bah, puissent organiser le débat contradictoire. Quelqu'un d'autre qui veut réagir? Oui, très volontiers. Je crois qu'on met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est cette attitude de ne pas vouloir savoir. Je veux pas le savoir. C'est comme mon histoire de la réunion en Suisse, c'est un miracle. Non, même Martin Blachier sur vos plateaux dit qu'en plein air, il n'y a pas de contamination. Mais non, c'est un miracle. On ne peut quand même pas déflorer le miracle. Et vraiment pour nous tous qui à la fois avons des compétences professionnelles mais sommes aussi dans une certaine démarche d'intégrité intellectuelle, c'est très déstabilisant de voir à quel point nos collègues, les universitaires, les chercheurs, les médecins jouent ce jeu de « je ne veux pas le savoir ». Donc merci Vincent pour cette présentation passionnante, Laurent bien sûr, et je recommande à tout le monde d'aller voir le blog de Laurent Mukeli sur Mediapart, c'est une aventure intellectuelle somptueuse, c'est une richesse, vraiment c'est… Alors Laurent, j'avais envie de te poser la question, on est tous très frustrés parce qu'on voit finalement ces représentations très fantasmatiques et aussi très malhonnêtes à certains égards, et puis on s'aperçoit que la raison n'est pas suffisante pour convaincre les gens ou… Donc… Est-ce que tu penses qu'il y aurait une contre-doxa qui serait actionnable contre celle qui nous est imposée pour commencer à dessiller les yeux des gens, faisant l'expérience que le simple débat d'idées, la simple exposition des faits semble ne pas suffire?
C'est une question assez vertigineuse, mais qui, moi, me rappelle la dureté des représentations sociales et à quel point elles sont résistantes à un discours explicatif. Effectivement, c'est difficile, hein. Je vois pas trop. Je ne sais pas quoi répondre, voilà, pour être très franc. À part faire ce que nous essayons de faire, et qui à mon avis d'ailleurs, la seule chose que je peux dire, voilà, c'est que il y a bien sûr un aspect important de diffusion de contenu, d'arguments, donc de contre-arguments, de contre-contenu, bien sûr. Mais il est possible que la principale chose à laquelle on se heurte, c'est pas simplement comme toujours, j'ai envie de dire, c'est pas simplement le factuel, c'est pas simplement le fait de savoir ceci ou ne pas savoir cela, c'est pas simplement le fait d'interpréter fondamentalement peut-être ceci, ce chiffre, cette information, cette courbe, que sais-je, comme ceci ou comme cela. C'est aussi l'attitude de beaucoup de nos concitoyens qui, pour des raisons très 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 diverses, se laissent au fond dans le confort. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du confort à faire semblant de croire ce qui est dit avec toute une série de dégradés. Enfin, moi, c'est ce que je vois autour de moi, hein. Je prétends pas faire de grandes théories de ça. Je n'ai pas lancé d'immenses enquêtes avec des questionnaires ultra détaillés sur des milliers de personnes. J'ai travaillé là où je pouvais travailler. J'ai pas fait. Mais par ailleurs, comme vous tous, je vis, je rencontre un tas de gens, il y aura un tas de gens très différents. Voilà, pas simplement entouré des 10 personnes qui pensent comme moi, pas du tout. Donc moi, ce que j'observe, c'est beaucoup de gens qui soit s'autocensurent, clairement, soit ont peur de la réaction des autres. Hein, j'ai beaucoup observé, y compris dans les hiérarchies, hein, le fait que telle personne pense beaucoup de choses que nous avons dit ce soir, mais ne s'autorisera pas, se pensera d'une manière ou d'une autre mis mal à l'aise, voire inquiété, voire on l'a bien vu plus que ça, hein, je veux dire la façon dont le Conseil de l'Ordre des médecins joue ce qui est quelque part son rôle, mais d'une quand même très étrange de manière, hein, on voit bien comment il exerce une espèce de police de la pensée de manière générale, hein, et d'ailleurs c'est une des fonctions de la doxa de produire cette police de la pensée. Donc ça produit un effet d'intimidation sur beaucoup de gens qui vont donc tout simplement se taire alors même qu'ils n'en pensent pas moins en réalité. Donc c'est pour ça que je me dis de plus en plus, je m'arrête là, mais je me dis de mon côté, et c'est peut-être d'ailleurs assez sociologique de le dire comme ça, que c'est pas tant la diffusion de contenu précis, hein, qui compte, que le fait d'essayer d'agir, et c'est ce qui est très difficile, d'essayer d'agir aussi sur la conscience citoyenne, la confiance, le fait que les gens s'autorisent ou pas à dire les choses, etc. Et je pense que ça passe par toute une série d'actions collectives, de discussions, de scènes de la vie sociale de tous les jours, autre que le fait de diffuser simplement de l'information. Ce qui est très bien, hein, ce qu'on fait là ce soir par exemple, c'est très bien. Mais je pense que fondamentalement, il faut travailler aussi sur le fait que les gens puissent plus facilement s'exprimer, se sentent autorisés, libres à le faire, tranquilles à le faire, sans que ça mette en jeu quelconque forme d'émotion, de contrôle, d'image de soi ou autre. Merci Laurent. Ouais, merci Laurent. Alors, vous avez tous vu cette expérience qui a été faite dans un théâtre de Barcelone où ils ont mis 5000 personnes masquées pour prouver qu'il n'y avait aucun problème. Ce que pourrait faire l'antidoxa, justement, parce que ça va être fait aussi de la même manière à Paris, mais oseront-ils faire l'inverse, c'est-à-dire 5000 personnes réunies dans une salle, mais non masquées, et voir ce que ça donne. Et je pense qu'on serait dans un début d'expérimentation mathématique pour prouver que finalement, ce que tu dis, Vincent, que finalement, le port du masque n'a jamais prouvé son efficacité. Ce que je vous propose, c'est peut-être un petit mot de conclusion de chacun, puisqu'il est déjà assez tard, et puis on fera une conclusion finale après. Je prends. Vas-y. Merci beaucoup à Laurent, à Jean-Dominique et à Vincent. Pour moi, c'était un plaisir de vous écouter, et puis je me souviens un peu avec émotion que j'ai signé la tribune que Laurent avait écrite sur qu'il fallait arrêter de gouverner par la peur. Et je reviens à ça, sur qu'est-ce qui pourrait permettre le renouveau d'un discours pluriel. Ce serait peut-être ça, c'est de sortir de la peur, en fait,
Parce que finalement, si vous êtes en sécurité, vous êtes capable de dire ce que vous êtes, comment vous voyez les choses et comment vous les ressentez. Donc une grande partie de la soumission à la doxa, ou même de ceux qui la surjouent, ceux qui veulent la tenir, c'est, il me semble que quelque part, c'est la peur de l'effilochement du nous, de la disparition du groupe social, si jamais on osait penser différemment. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler. C'est l'idée de sortir de la dispute, de sortir de l'argumentation contradictoire. On va dresser un camp contre un autre. C'est une des grandes façons de faire des médias aujourd'hui et de la doxa dominante, c'est de dresser des camps les uns contre les autres. Je crois qu'on a tous à cœur de soigner le mieux possible cette épidémie, de soigner le mieux possible les gens qui sont malades et de soigner le mieux possible notre société qui est très malade aussi. Et si on se souvient de ça tous ensemble, on peut être pas d'accord sur la stratégie pour soigner. On peut avoir des schémas thérapeutiques différents, mais on peut en discuter au moins. Actuellement, on a un problème de discussion, on a un raidissement totalitaire qui se met en place. Et pour moi, ce raidissement totalitaire, il est justement là parce que il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nous qui est en train de se disloquer dans des jeux juxtaposés qui ne font plus partie d'un ensemble commun. Donc je crois que c'est le gros travail qu'on a à faire, d'essayer de refaire du nous, et que c'est pas forcément par la raison que ça passe. Et je rejoins Laurent là-dessus, ça passe beaucoup par juste être ensemble. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a beau tous penser des choses très différentes, ici y compris, ou dans ma rue, et ben en fait, on a plaisir à sortir dehors et être ensemble. Donc voilà, si on peut juste faire ça, ce serait peut-être une belle chose. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Ils veulent manifester, ils veulent être en colère, ils veulent essayer de se battre. Juste déjà, retweeter cette vidéo. Sachez qu'elle risque d'être censurée, parce qu'on a déjà été censuré sur 6 vidéos du Conseil scientifique indépendant, et que ça, c'est une réalité que Laurent aussi a souligné, du pouvoir des GAFAM à tenir la doxa dominante, et qu'en fait, là encore, si nous nous mettons ensemble, nous sommes très puissants. Les histoires de GameStop, les histoires de chaque fois qu'un groupe humain se met ensemble contre un géant qui en plus est quelque chose d'impalpable et d'inhumain, en fait, le géant tombe. Et qu'est-ce qui reste? Les humains qui se sont mis ensemble. Voilà. Merci, merci beaucoup Laurent. Vincent, tu aurais un mot à rajouter? Oui, d'abord effectivement, tout à fait d'accord avec Laurent, il faut recréer du lien social, effectivement. Bon, d'ailleurs, je voulais remercier Laurent, parce que moi aussi j'ai signé la tribune « Arrêtons d'être par la peur », ce qui a été mon premier acte effectivement de lien social dans la résistance, et ça m'a permis du coup de rencontrer Louis, puisque Louis était un signataire. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à Laurent. Donc la sociologie montre ici toute sa puissance quand elle effectivement comprend qu'il faut recréer les liens. Et puis moi, ce qui m'a inspiré au début, c'était aussi bien sûr Jean-Dominique Michel, qui était quelqu'un de très structurant. Et puis du coup après, voilà, moi je continuerai à étudier les chiffres, parce qu'en fait curieusement, il y a un côté amusant à ça pour moi, traquer le mensonge, traquer la faute, traquer l'erreur de raisonnement. Et jouez pas ça avec les mathématiciens, parce que bon, s'ils sont pas corrompus, ça marchera jamais. Voilà. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je continuerai à produire des chiffres. Il y en a pas mal déjà à continuer. Mais le plus important, c'est effectivement le lien social. Et puis se retrouver ensemble, effectivement, pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus sûr. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Peut-être Hélène, puisque vous partagez la même caméra. Hélène Bagnou. Oui, moi je voulais juste te dire par rapport à la question qu'a posée Jean-Dominique à Laurent, pourquoi les gens suivent cette doxa? C'est pas forcément la peur de l'épidémie, mais je pense que c'est le fait qu'ils ne peuvent pas remettre en cause le fait qu'ils ont cru toute leur vie que l'État était là pour les protéger, qu'ils tenaient compte de la santé publique. Et qu'en fait, il faut remettre ça en cause maintenant, parce qu'on s'aperçoit bien que ce n'est pas vrai. Et donc, nous, on est peut-être là pour les aider à remettre ça en cause et à supporter cette idée que l'État n'est pas forcément le bienfaiteur de toute la population. Merci Hélène. Jean-Dominique? Oui, merci. Écoutez, moi, j'ai envie de vous redire, mais c'est sincère, donc je me le permets, toute l'admiration que j'ai pour chacun d'entre vous. Je crois vraiment que vous êtes des personnes qui avaient pris vos responsabilités. Et c'est vrai que cette manière, alors c'est peut-être plus compliqué pour vous que pour moi, parce que moi je suis très indépendant, je ne dépends pas d'une structure, donc je ne suis pas pris en otage des risques que pourrait me coûter ma parole, donc pour moi c'est assez spontané. Mais c'est vrai que quand on est dans des structures, ça peut être plus compliqué, donc vraiment je vous honore de cette prise de responsabilité, mais je trouve qu'en soi-même c'est un peu la piste. Alors après, on le fait chacun avec son tempérament, avec sa couleur, avec ses mots, avec ses envies, mais face à quelque chose d'aussi absurde et surtout d'aussi dommageable,
parce que moi, je suis évidemment révolté par l'injustice de ce qui est, et la malhonnêteté de ce qui est mis en œuvre, mais je pense aussi à tous les gens dont les vies sont en train d'être détruites. Je veux dire, je dis souvent, mais on voit des suicides d'enfants, ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. On voit des vies ruinées, on voit des gens qui sont en très grande souffrance. Donc pour moi, évidemment, que c'est une très grande motivation pour continuer cette aventure. Vous voyez, j'ai évité de dire combat parce que c'est à la fois un combat, puis en même temps, il ne s'agit pas de trouver des ennemis. Il s'agit de trouver le chemin du juste pour pouvoir trouver une autre issue que cette amplification permanente de la souffrance jusqu'à des points où elle sera intolérable. Et donc voilà, pour moi, c'est un grand honneur d'être avec vous. J'ai beaucoup de fierté de partager ces moments et puis vraiment d'honorer cette prise de responsabilité qui est au fond ce qui manque le plus dans une société qui s'est aussi délitée, c'est que les gens ne sont plus responsables. Les mathématiciens ne sont plus responsables de dire que les équations du conseil scientifique ne tiennent pas la route. Et j'aime beaucoup comment tu le fais, Vincent, parce que c'est cash, on sent qu'il n'y a pas de haine, mais c'est juste que quand c'est mal foutu, c'est mal foutu. Et moi, mathématicien-chercheur, je ne vais pas laisser prétendre que c'est bien foutu. Voilà, et donc vous êtes en permanence une source d'inspiration pour moi. Et puis effectivement, aucun d'entre nous n'a la solution. On sait que ça ne passe pas par la violence et la haine. En même temps, il y a des moments où il faut pousser des coups de gueule. Mais surtout, on est tous ensemble dans cette direction et à nos endroits respectifs. Je crois qu'on fait dans l'ensemble du bon boulot et que c'est le plus qu'on puisse faire, mais au moins on le fait. Voilà ce que j'avais envie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Sache que la fierté, elle est réciproque et certainement partagée par tout le groupe. Alors Laurent, notre nouvel invité de ce soir, Laurent Micheli. Laurent ? Oui ? Le micro. Oui, il faut que tu mettes le micro. On ne t'entend pas. Voilà, très bien. Voilà, toutes mes excuses. J'hésitais de toute façon parce que je n'avais pas prévu spécialement de dire un mot de la fin. J'ai juste envie de dire, d'utiliser une notion qui, évidemment, qui risque beaucoup d'être galvaudée ou qui peut être très polysémique, c'est la notion de bon sens. Ça donne même lieu à une association, d'ailleurs, hein, aujourd'hui, qui est aussi une des manifestations collectives qu'on a pu voir. Mais voilà, moi, ce que j'aurais envie de dire à mes concitoyens, mes confrères, mes consoeurs, au sens de la fraternité, pas au sens professionnel, c'est juste faites-vous confiance aussi pour avoir un minimum de bon sens dans toute cette affaire. Il est normal de se faire la réflexion que tiens, peut-être porter un masque dans la rue, c'est peut-être pas l'endroit où c'est vraiment utile en fait. C'est normal de penser ça. Il est normal aussi de penser qu'un médecin devrait soigner et pas juste donner du Doliprane aux gens qui ont contracté une maladie respiratoire. Voilà, une série de choses. Il est normal de se dire que ça pose quand même peut-être un petit souci à la démocratie quand on passe son temps à vivre sous régime d'état d'urgence. Tout ça, ce sont des réflexions juste normales, voilà, qui ne sont ni complotistes, ni connotées idéologiquement ou je ne sais quoi. Ça devrait être des réflexes et nous sommes légitimes à considérer que c'est juste normal. Voilà. Et je pense qu'il faut essayer de redonner un maximum de confiance aux gens là-dessus. Merci Laurent et merci pour toute votre expertise. Alors Eric Mena, peut-être pourrais nous dire un petit peu l'ambiance justement qui règne chez nos internautes à titre de conclusion. Alors l'ambiance était active et justement je voulais conclure en utilisant les mots de certains internautes parce qu'on a des remarques un peu de toutes sortes, mais des vrais philosophes aussi. Et pour conclure, deux citations qui ont été proposées par les internautes. L'une qui est souvent citée de Machiavel, qui disait « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Et on a tous parlé ce soir de lutter contre cette peur. Et une autre citation de Victor Hugo, cette fois-ci, qui disait « La liberté commence où l'ignorance finit ». Et je crois que ça rebondit très bien sur ce qui vient d'être dit. Il est important d'informer nos concitoyens, les usagers de la santé, pour qu'ils puissent se prendre en main, qu'ils soient acteurs de leur santé, acteurs de leur prévention. Jeudi prochain, nous parlerons de la prévention, justement, parce que ça existe et ça marche, qu'ils puissent demander, réclamer à la fois des traitements, de la liberté et une gestion différente de cette situation épidémique, on va dire, contestable. Voilà. Donc, oui, informer pour que l'ignorance ne perdure pas et que la manipulation des citoyens puisse cesser.
Merci beaucoup, Eric. Alors, c'est encore une soirée passionnante. On était à près de 3000 personnes connectées ce soir. Merci à nos trois experts et aux membres présents du CSI ce soir. Alors, sans oublier toutes celles et ceux qui travaillent en coulisses, et oui, pour réaliser ce genre d'émission, ben, il y a des personnes qui travaillent, notamment Essam, je sais qu'il n'aime pas être cité, mais qui nous permettent de nous exprimer et que vous puissiez nous entendre tous les jeudis soirs. Donc, voilà le lien à diffuser, reinfocovid.fr/live. Hein. Ce sera toujours le même lien pour suivre nos prochains lives et vous pourrez voir aussi nos replays. Alors, partagez. Alors, rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne, comme diraient les bons journalistes des mainstream, avec le CSI. Toujours pour de nouvelles aventures, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Au revoir.